L'autre jour, un de mes bons copains, à un déjeuner, m'offre une place. Il me dit, sois à midi moins 5, chez moi 31, rue de Bellechasse. À Villiers qui dit, prends le métro, à Saint-Lazare, tu changes et files. Tu descends à Solferino, et te v'là à mon domicile. Moi qui n'aime pas me lever le matin, je crie vive le métro, ça c'est chouette. En me levant à 11h moins 20, à midi je serai devant mon assiette. Je me lève donc comme un homme heureux, vivement dans le métro, je me balance. À Saint-Lazare, je descends joyeux, et je prends le couloir correspondance. Je monte d'abord un petit escalier, et j'arrive dans un grand couloir. Puis j'en monte un petit escalier, et v'là encore un grand couloir. Je me dis que non, ça c'est comique, ce grand couloir n'avait pas de fin. J'ai compté les lampes électriques, il y en avait 880. Je dis, ça y est, je m'ai gouré de chemin, quand je vois un panneau blanc et bleu. Gare Montparnasse avec une main, je refous le camp comme si qu'il y avait le feu. Je descends un grand escalier, j'arrive dans un petit couloir, puis encore un petit escalier, et puis enfin un grand couloir. Je repars au pas gymnastique, j'arriverai-t-y, arriverai-t-y pas. Je recompte les lampes électriques, il y en avait 943. Au bout du couloir, quelle surprise, il y avait encore 5-6 couloirs. Je dis, c'est là qu'il faut pas faire de bêtises, faut chercher lequel qu'est mon couloir. Je tournais en rond comme une limace, quand j'en vois le truc blanc et bleu, où ce qu'il y avait dessus, gare Montparnasse, la main et le doigt au milieu. Quel labyrinthe, oh mon aïeul, vivement je rallonge le pas. Je cours et v'lant, je me casse la gueule, j'avais glissé sur un crachat. Je me relève l'allure énergique, et pour calmer mon cœur nerveux, je recompte les lampes électriques. Il y en avait 1422. Enfin, je vois une petite barrière. Je dis cette fois, ça y est, pas du tout. En me retrouvant près de la barrière, je reste pétrifié comme un fou. Il y avait encore un escalier, puis encore un petit couloir, puis encore un petit escalier, et puis enfin un grand couloir. Je pensais, y a pas ça, c'est pratique. Et tout en soufflant comme un bœuf, je recomptais les lampes électriques. Il y en avait 2069. Tout à coup, en cherchant la suite, je vois une station avec un quai. Un train qui arrive, j'y saute tout de suite, sans même savoir où ce qu'il allait. Fatigué de toutes ces aventures, je me suis endormi dans le wagon. Quand je me réveille, jugé de ma hure, j'étais à la gare de Charenton. Je descends et je regarde le... Oh mince, il était 6h moins un quart. Je suis rentré chez moi à Pince et je me suis recollé au plumard. À mon copain, j'ai dit, ma vieille, la prochaine fois que tu m'inviteras, j'irai dormir chez toi la veille, comme ça je serai sûr d'être là.